donc à 10 minutes du centre-ville à pied et on est vraiment sur un axe de la rocade. Donc c'est vrai qu'on a, par rapport aux gens qui travaillent et aux gens qui veulent se déplacer facilement, hein, un emplacement qui est au top. C'est un concept bien particulier puisque tous les logements sont accessibles à des personnes en mobilité réduite et également donc ce sont des pavillons uniquement de plein pied. Une ancienne résidence sociale et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mise aux normes de 2011. On a créé 50 logements, 43 appartements et 7 logements collectifs pour personnes à mobilité réduite. Des typologies très diverses, du T2 au T5. Comme vous pouvez le constater, de grandes terrasses, un parti pris moderne et qui s'inscrit dans un environnement qui se veut un environnement nature. Nous exerçons maintenant tous les métiers dans le cadre de l'immobilier. Bien sûr, le logement social qui est le premier métier, le cœur de métier. Le deuxième logement, c'est le logement pour l'accession sociale à la propriété. Le troisième, c'est tout ce qui est le métier d'aménageur. Et dans l'aménageur, vous retrouvez tout ce qui a l'intérêt commun pour les collectivités, que ce soit un COSEC, un terrain de sport, une gendarmerie. On est sur un site en plein cœur de Sainte-Savine et donc sur ce site nous sommes actuellement en train de réaliser une résidence senior. Résidence senior, c'est-à-dire un ensemble immobilier qui sera essentiellement réservé aux personnes âgées, aux personnes valides, bien que l'intégralité des logements soit réalisée pour les personnes à mobilité réduite. Particulier, c'est pour nous c'est vital hein, pour un petit village comme Gélane. On veut faire vivre nos écoles et pour faire vivre nos écoles il faut des jeunes et les jeunes il leur faut des logements, donc des logements pas trop chers, des logements de qualité. C'est ce qu'on a réalisé donc avec Mon Logis.